ce match a une petite saveur particulière déjà pour toi, à titre personnel? Oui, parce que c'est un club dans lequel je viens de passer les deux dernières années. Bon, un club qui a compté pour moi parce que c'est aussi celui qui m'a lancé dans le monde du professionnalisme il y a une petite dizaine d'années maintenant. Voilà, maintenant, ça reste un match à gagner. Que ce soit un ancien club ou pas, c'est 3 points en jeu. Il n'y en a pas 4 ou 5. Hein. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de bien aborder le match et puis de... Je dirais d'être dans la continuité aussi des prestations des 3 dernières semaines et puis gagner en efficacité pour pouvoir concrétiser les opportunités qu'on se crée. Boulogne, tu m'avais dit, c'est un club qui tient à cœur, tu étais très proche aussi du président, c'est ça hein? Je suis très proche, oui, notamment d'Aurélien Capoue, le directeur sportif. Voilà, j'ai eu de bonnes relations là-bas, malgré une saison difficile, mais bon. Je dirais que je ne vais pas rentrer dans les détails, puis je ne suis pas là pour parler de Boulogne, mais c'est un juste retour des choses que Boulogne ait été repêché, parce que la saison dernière, elle a été, pour de multiples raisons, très compliquée. Et donc, je pense que c'est amplement mérité que l'équipe n'ait pas été reléguée et qu'elle puisse poursuivre son aventure en National 1. Et puis maintenant, on va parler du FC Annecy. Et c'est l'avantage ou pas de connaître cette équipe, finalement? Les équipes qu'on joue, on les connaît toutes parce qu'on les observe beaucoup. Voilà, moi je regarde entre 2 et 4 matchs de l'adversaire à chaque fois. Donc oui, on les connaît bien, de la même manière que tout. Comme j'ai dit la dernière fois, tout le monde travaille, donc les équipes, elles nous observent aussi. Là, j'étais entre guillemets en formation avec les membres du staff pour... mieux appréhender, je dirais, les données statistiques qu'on peut avoir de plateformes qui travaillent avec nous et qui travaillent avec d'autres clubs aussi. Et donc, aujourd'hui, les données sur l'adversaire, que ce soit votre ancien club ou pas, vous les avez en détail. C'est devenu hyper technique. Le foot, pareil, d'entraîneur, on se base sur des chiffres, des statistiques, des vidéos. Ouais, enfin, ça a toujours été un peu comme ça. Après, l'évolution fait aussi qu'il y a de plus en plus de données. Donc, les données, il faut les prendre, il faut les interpréter. Et après, c'est toujours pareil. Elles ont aussi leurs limites. Et c'est à partir de là qu'il faut être capable de tirer certains enseignements, mais aussi garder un petit peu le ressenti qu'on a de terrain, à la fois dans ce qu'on observe à l'entraînement toute la semaine, dans ce qu'on observe dans nos matchs, et puis de manière un peu plus difficile en vidéo de l'adversaire, même si on arrive aussi à avoir des renseignements par rapport à aux gens qu'on connaît et qui observent les matchs aussi de nos futurs adversaires. Pardon. L'idée là, sur le match de Boulogne, c'est de reproduire ce que vous avez bien fait contre Concarneau tout en corrigeant les petites erreurs individuelles, mais ça c'est quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Bah, j'aime pas dire qu'on a fait un bon match alors qu'on a perdu, parce que faut pas oublier qu'il n'y a pas de note, je dirais, artistique, technique, voilà, c'est le résultat qui compte. On a effectivement été dans la continuité de certaines choses, je dirais qu'on a été très efficace contre Laval, on l'a été un peu moins contre Concarneau, à l'arrivée vous gagnez d'un but, le match suivant vous perdez d'un but, voilà, mais c'est le championnat qui est comme ça, donc... Moi, je m'attache surtout à garder un maximum de joueurs concernés par le projet, par cette envie aussi de gagner des matchs. On cherche évidemment à progresser, sachant que les progrès ils vont venir avec le temps et avec la capacité des joueurs à rester concernés et impliqués. Justement, essayer d'amener les deux points positifs des deux dernières rencontres, c'est-à-dire l'efficacité et le jeu qu'il y a pu y avoir face à Concarneau. Oui, mais enfin, de l'avis unanime, et puis c'est honnêtement le mien aussi, on a été peut-être un meilleur dans le jeu à Concarneau, mais on a perdu, donc si je dois choisir, je préfère être un peu moins bien, même si c'est vrai que je recherche ça à titre en tant qu'entraîneur, mais je préfère jouer un peu moins bien et gagner des matchs. Après, on sait aussi que sur la durée, c'est en s'améliorant collectivement dans différents aspects qu'on arrive à gagner des matchs dans la continuité. Après, ce qu'on ne regrette pas, c'est effectivement, on a vraiment cherché dans un premier temps à revenir au score, mais l'idée en ayant envie de... Déjà, au début de match, c'était vraiment de gagner à Concarneau. Et en cours de match, le score nous a obligés à prendre des risques offensifs, mais
On a persévéré là-dedans, même à un partout, pour chercher à gagner le match, parce que c'est un championnat, encore une fois, où c'est les victoires qui rapportent et les nuls rapportent finalement peu. Donc il y a cette volonté toujours de créer du jeu justement pour aller chercher ces résultats, parce que c'est plus avec le jeu qu'on s'en sort. Quand le score est serré, la volonté, elle est avant tout de gagner un match, même à l'extérieur. Alors après, vous pouvez avoir des données, c'est sûr que si vous êtes à 5 minutes de la fin avec un joueur de moins, match nul à l'extérieur, l'idée, elle est plus de garder un point que... Mais à Concarneau, clairement, à un partout, et c'est le discours qu'on a eu à la mi-temps, c'est on revient au score et on cherche à aller gagner le match. Alors peut-être que ça nous a coûté cher. Ça nous a peut-être coûté un point, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque de perdre un point de temps en temps pour aller en gagner trois aussi de temps en temps. Là, au bout de 4 journées, est-ce que tu estimes que c'est déjà un match un peu important? Parce que sur le plan comptable, si vous gagnez, vous basculez du bon côté, dans le bon wagon. À l'inverse, si vous perdez, vous passez dans la deuxième partie de tableau. Est-ce qu'au bout de 4 journées, c'est déjà important ou pas forcément? On aura le même type de conversation quand on sera à la 15e, à la 20e, à la 25e journée. C'est 3 points, on va tout faire pour prendre les 3 points. J'irai après où est-ce que ça... Au-delà de savoir dans quelle partie du classement ça nous mettra ou ça nous mettrait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer le compteur et d'avoir le plus de points possible le plus rapidement possible. Et de recréer aussi une dynamique, c'est important aussi pour le groupe. Honnêtement, la dynamique, elle y est. Alors forcément, il y a entre guillemets la fameuse dynamique de résultats, et elle est évidemment importante, mais la dynamique de travail et d'état d'esprit, elle est là. Voilà, on a fait un match à Concarneau sur lequel on a eu notre chance. C'est aussi ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des commentaires plutôt bons sur le match de Concarneau, parce que beaucoup de gens ont trouvé la défaite sévère, Mais ce qui est important pour nous, voilà, c'est de pouvoir continuer à avancer pour prendre des points, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Quel type de match, des spectateurs qui seront nombreux, logiquement. Ça, c'est une bonne nouvelle. 9-6 septembre, contre Boulogne, est-ce que ça va être fermé, ouvert C'est un match de national. Ça va être très serré, c'est l'équipe qui marque le premier but prend un avantage certain sur le résultat final, tout au moins pour ne pas le perdre. Donc on a nos caractéristiques, on va pas dévier de ça, on cherche à gagner, voilà, on veut gagner des matchs avec nos forces et nos faiblesses, mais il faut s'attendre évidemment à un match très très serré. Encore une fois, et les matchs, c'est Arsène Wenger qui disait ça, de toute manière, un match dans un championnat, quand le score final est large, c'est que de toute manière, il y a eu des éléments dans le match qui ont fait que c'est quelque part anormal que le score soit large. Une expulsion, une blessure, une équipe qui a une très chanceuse dans son efficacité, qui, par exemple, vous avez 2 occasions au bout de 10 minutes et vous mettez vos 2 occasions, c'est-à-dire 100% de réussite. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'un match bascule sur des gros scores. Sinon, regardez encore les scores de la dernière journée, mis à part Bourg contre Cholet, c'est encore des matchs très serrés avec un but d'écart. C'est vrai que ça fait à peu près 2 mois au cours d'entraînement. Est-ce que tu es un petit peu étonné de ce que montre l'équipe? Il y a certaines équipes, certains entraîneurs qui disent voilà, on n'est encore pas prêt ou on est encore en rodage. On a l'impression qu'Annecy est déjà bien, est déjà prêt. Nous, c'est une volonté d'avoir notre groupe dès le départ, dès la reprise. C'est pour ça qu'on a été assez tôt dans le mercato. Ça n'empêche pas, comme je l'ai dit, de garder un œil ouvert par rapport à des constats qu'on a pu faire aussi. Et c'était la volonté, en ayant le groupe depuis le début, de pouvoir aussi évaluer ce groupe avec ses forces et ses faiblesses. Donc on reste ouvert sur les derniers jours du mercato. Mais comme je l'ai déjà dit, si on fait venir quelqu'un, ce sera soit parce que on a des gens qui partent ou des gens qui sont indisponibles, malheureusement. Mais moi, je trouve qu'on est, on est dans une progression, je dirais, intéressante, mais on n'est encore pas à un niveau qui peut nous permettre de... Enfin, je voudrais davantage de... Pas de certitude, mais de comment dire, de tranquillité, de sérénité dans certains aspects du jeu qu'on n'a pas encore. Après, faut aussi dégager un groupe type de 14-15 joueurs qui jouent régulièrement. Les résultats, bien sûr, sont importants.
On va voir ce que vont donner aussi, parce qu'arriver à une petite dizaine de matchs, on va arriver aussi avec des suspensions, peut-être des blessures. Donc ça va nous donner des indications. Mais oui, on en a déjà beaucoup, notamment par rapport à nos forces et par rapport à ce qui reste à améliorer d'ici la fin de saison. Sur les trois premiers matchs, c'est vrai que tu n'hésites pas à changer, enfin pas aligner toujours le même joueur, t'en avais parlé la semaine dernière. Mmh. Est-ce que là, justement, par rapport à Boulogne, tu disais que des fois tu t'adaptes aussi par rapport à l'adversaire. Est-ce que là, tu peux être susceptible de changer quelque chose? En fait, c'est toujours pareil, il y a deux options. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y a toujours deux options. C'est-à-dire que vous gardez toujours le même 11 et puis c'est clair, c'est net. Encore faut-il le trouver dès le départ, mais vous gardez le même 11 et puis les autres joueurs rentrent quand il y a une suspension ou une blessure. Ou alors, quelque part, en créant aussi une rotation, finalement, on s'habitue à une rotation et finalement, vous avez un petit peu plus de joueurs qui ont un peu plus de matchs et qui rentrent, on va dire, dans une équipe type. C'est une équipe type qui se transforme à 14-15. Et souvent, c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais sur une durée de championnat, c'est un peu plus intéressant. Alors, il y a les caractéristiques de l'adversaire, bien sûr. Il y a nos caractéristiques. Il y a aussi ce qui se passe à l'entraînement la semaine. Voilà, des fois, je fais des choix sur des joueurs qui ne sont pas ou peu entraînés dans la semaine. Parce que moi, j'ai un groupe à gérer aussi. Donc, à partir du moment, c'est sûr que si j'ai un joueur dans l'équipe qui, après 10 journées, a 18 buts, je vais peut-être le faire un peu moins tourner que les autres, quoi. Voilà. Mais ça, c'est important pour moi de garder tout le monde concerné et que tout le monde se sente aussi investi dans la performance de l'équipe. Mais c'est un peu plus long à mettre en place. Pour l'instant, j'ai pris cette option-là parce que je trouve qu'on a un groupe homogène. Et comme je l'ai dit, faire un groupe et laisser certains joueurs dans la tribune pour le match, c'est assez difficile. C'est mon boulot, mais c'est assez difficile parce qu'il y en a certains qui sont dans la tribune ou qui ne sont pas du déplacement comme la dernière fois, qui pourraient être titulaires. Et justement, par rapport au groupe, il y a Vicente Mendy qui s'entraîne maintenant normalement. Est-ce qu'il est susceptible de réintégrer le 11? Oui. Comme tous ceux qui sont aptes, ils sont susceptibles d'intégrer le 11. Qui n'est pas apte? Mathieu Sens, Jacques Sioué, Jonathan Ruc. Juste sur Jonathan, je veux juste remettre un peu les choses à leur place. Il a été très courageux à Concarneau de finir le match parce qu'il a pris une grosse semelle en première mi-temps qu'aurait mérité largement un carton jaune. C'est ce que je me suis permis de dire à l'arbitre qui, de manière assez sereine, m'a répondu que ça ne méritait pas un carton jaune. Mais enfin, c'est quand même un joueur qui, du coup, est indisponible la semaine d'après. Voilà, donc comme quoi parfois... C'est vrai qu'on n'est pas toujours objectif sur le banc, ça je veux le reconnaître, qu'on n'est pas toujours facile à arbitrer, ça c'est vrai. Enfin bon, là, ça me paraissait tellement évident que... Bon, voilà, et en plus ça a enchaîné sur des avertissements sur le banc de touche, alors qu'on réclamait simplement une touche. Bon, c'est... Voilà, je tenais à le souligner quand même, parce que... J'ai su que... Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est même dans le match, on doit être capable de garder nos nerfs. Mais j'ai trouvé la sanction pour Rémi du carton rouge très excessive compte tenu de ce qu'il a dit. C'est vrai, il s'est levé, il a réclamé une touche. Et en l'occurrence, ce qu'on a réclamé en première mi-temps quand l'arbitre est venu me voir, savoir que ça méritait quand même un carton, je tiens à préciser que la faute qui a entraîné la faute qui sur Jonathan Ruc en première mi-temps, même s'il a serré les dents, l'empêche de jouer la semaine suivante. Il a voilà. Pu jouer parce que c'était encore chaud, c'est ça? Ouais, voilà, quand sur une entorse comme ça, voilà. Mais il a pu continuer sans être trop gêné, mais ça a été déjà difficile dans l'avion du retour et il ne s'est pas entraîné de la semaine et on est même à faire des examens complémentaires là, en cette fin de semaine, parce que l'amélioration n'est pas forcément celle qu'on espérait. Donc, pour l'instant, on va dire qu'il manque un match. Il a pris où, le coup, exactement ? Sur la cheville. Sur la cheville. Sur la cheville, ouais. Donc, voilà. Et il y a Madienne qui est très incertain. Qu'est-ce qu'il a, Madienne ?
C'est une douleur au pied suite à un coup à l'entraînement, mais bon, voilà, ça, je peux pas réclamer quoi que ce soit pour un coup à l'entraînement. Vous comprenez bien. En plus, c'est moi l'arbitre à l'entraînement parfois. Donc. Laurent, par rapport à Mathieu Sens, alors, je ne sais pas si tu avais déjà fait le point avec la semaine précédente, mais il en est où très exactement en fait, parce que, c'est quelque chose. Je me dois par rapport aux joueurs d'être un, comment dire, un. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas tenu au secret médical, mais du coup, je suis tenu quand même à une certaine réserve par rapport à ça. Il n'y a rien de grave. Mathieu était là cette semaine, on le voit, etc. Mais voilà, pour l'instant, il est pas apte à réintégrer ne serait-ce que l'entraînement pour une durée indéterminée. Donc, voilà. Il était blessé au mollet, hein, c'est ça? Oui, voilà. Et du coup, il s'entraîne individuellement Pour l'instant, il est en soins. Et tu penses qu'il peut J'espère, j'espère qu'il réintégrera à un moment donné. La durée, je n'en ai aucune idée parce que voilà, c'est encore une fois, je peux pas en dire plus, mais c'est la durée est indéterminée. Voilà. Et en tout cas, moi, je la connais pas et deux, c'est pas mon rôle de communiquer dessus. Et Jacques, si vous voulez, du coup. Jacques, il est en reprise, il fait certains exercices avec le groupe cette semaine. Je pense qu'on peut espérer le récupérer à l'entraînement à peu près normalement courant de semaine prochaine, si tout va bien. Okay. Bon, après, ça restera un joueur qui a peu joué l'année dernière, qui est arrivé avec un déficit athlétique à la préparation, qui a bien travaillé, mais du coup, la préparation, je ne vais pas dire qu'il faut la recommencer à zéro, mais en tout cas, elle a été fortement. Perturbé. Donc je pense qu'il faudra aussi sûrement passer par un petit peu de temps de jeu avec l'équipe réserve dans un premier temps. Mais bon, le championnat va reprendre aussi, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi pour les joueurs qui jouent un petit peu moins. Oui, ça c'est quelque chose que je voulais te demander. Justement, les joueurs qui ne sont pas retenus dans le groupe pour un match, quand la réserve va commencer la saison, est-ce qu'ils vont être automatiquement reversés en réserve? Enfin, est-ce que c'est ta politique? Le plus souvent possible, oui. Après, il y a toujours des aménagements qui peuvent être trouvés, mais le plus souvent possible, oui, parce que je trouve que ce serait intéressant que, encore une fois, ce n'est pas forcément un objectif cette année, mais que tôt ou tard, l'équipe réserve puisse monter d'un cran pour... Bah, toujours pareil, dans la continuité de l'évolution du club, ce serait une bonne chose. Encore une fois, c'est pas à travers ça, je ne suis pas en train de mettre une pression à Nicolas par rapport aux résultats. Mais le plus souvent possible, oui. Après, vous savez, je dis souvent ça aux joueurs. J'ai fait une carrière de 14 ans et j'ai joué quand même assez souvent avec l'équipe réserve, notamment dans les deux dernières années de ma carrière. Donc, savoir ce que ça fait de jouer avec l'équipe réserve, je sais. Et je connais... la difficulté, ne serait-ce que psychologique, d'arriver à se motiver pour jouer avec l'équipe réserve. Moi, ce qui m'intéresse quand un joueur va avec l'équipe réserve, c'est qu'il fasse le job, ne serait-ce que physiquement. Et à partir du moment où physiquement, il est impliqué dans l'équipe, son niveau va faire qu'il va rendre service à l'équipe. Voilà. Donc, autant que possible, j'enverrai les joueurs. Après, il y a toujours des aménagements possibles en fonction de différents critères, voilà, que je ne vais pas développer là, mais... Je ne veux pas qu'on me dise « Ouais, mais vous aviez dit que les gars allaient aller jouer. » Et finalement, parce qu'il y a parfois des critères pour un joueur, par exemple, d'expérience, l'intérêt qu'il aille jouer avec l'équipe réserve, parfois, il est limité. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais voilà. L'idée, c'est qu'il y a un maximum de joueurs qui aillent jouer avec l'équipe réserve le plus souvent possible, notamment pour rester en forme physiquement. J'en fais pas une règle, voilà. Il peut y avoir des adaptations possibles que je déciderai et qu'on décidera avec le staff et parfois en collaboration aussi avec le joueur en fonction de quel est le joueur concerné.